Jeannette, une jeune femme qui a la trentaine et elle va vivre sa première grosse rupture. Elle vit avec un garçon depuis des années, elle est très amoureuse, elle pense que c'est l'homme de sa vie. Sauf que lui, il a décidé d'aller vers d'autres horizons. Au lieu de centrer l'intrigue sur son chagrin, j'ai décidé de centrer l'intrigue sur toute cette période où elle va s'amuser et finalement rencontrer des hommes. Ça a pu choquer certaines lectrices de voir que mon héroïne se remettait aussi facilement de sa rupture. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, quand ce sont les hommes qui s'amusent après une rupture, c'est finalement quelque chose qu'on leur conseille et c'est toujours plus dérangeant chez les femmes. Mon livre met en avant le fait que pour être une personne heureuse, on n'est pas obligé d'avoir rencontré l'amour. Le message de ce livre est que l'amour n'est pas la condition sine qua non du bonheur. Mon texte a été repéré il y a 2 ans, c'était par 2 maisons d'édition. Et je suis vraiment ravie que le brochet soit sorti chez l'une d'elles et que le poche puisse aujourd'hui sortir chez Diva. J'ai l'impression d'avoir le choix du roi comme ses parents qui ont des jumeaux et qui vont avoir et un garçon et une fille. Comme je suis une diva, presque jeune, presque jolie, ne pouvait sortir que chez Diva.